Bienvenue sur les tutos références pas à pas de la médiathèque de Chambéry. L'épisode 5 que je vous propose vous montre comment accéder au texte intégral de certains articles. Vous l'avez compris dès l'épisode 1, références propose principalement des références d'articles. Mais parfois, il est possible d'accéder directement au contenu complet de l'article. Et c'est vraiment pratique. Reprenons notre exemple de l'épisode 2. Vous vous souvenez, j'avais écrit dans la barre de recherche « enfant » et le mot « parent ». J'avais lancé la recherche à l'aide de la petite loupe qui se trouve à droite. Dans la liste des résultats, lorsque Référence propose un article en texte intégral, vous avez des petites icônes sur la droite qui vous désignent deux types de fichiers différents. Vous avez par exemple la petite icône imprimante qui vous permet d'imprimer directement l'article au format papier et uniquement au format papier. Je lance cet aperçu. Une fenêtre s'ouvre qui va vous permettre d'imprimer directement l'article à l'aide de la petite touche bleue qui se trouve en bas à droite. Il faudra bien entendu pour cela que votre ordinateur soit relié à une imprimante. Revenons à notre liste de résultats. L'icône « Consulter l'article » rouge qui se trouve ici vous permet de télécharger l'article au format PDF. Si je clique sur cette icône, une petite fenêtre s'ouvre qui me demande l'autorisation d'ouvrir ce fichier. Je réponds oui. Vous avez ainsi l'article qui s'affiche sur votre écran. Vous pouvez bien entendu le lire tel qu'il apparaît sur l'écran, mais vous pouvez aussi l'imprimer au format papier si vous le souhaitez, ou bien encore, dans ce cas, le télécharger sur votre ordinateur ou une clé USB en cliquant sur « Enregistrer sous ». Extra, n'est-ce pas? Allez, profitez bien de cet outil. À présent, vous pouvez accéder au niveau expert. Comment faire porter une recherche sur plusieurs critères simultanément? Épisode 6.